Ami de la chose ludique, logique et secrète, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un casse-tête double diamond dans son emballage. Le double diamond est en réalité six casse-têtes réunis dans un cadre double face. Chacun de ces octogones, enfin octogones, je ne sais pas, de ces figures, est un casse-tête. Alors, si vous voulez bien, nous allons... C'est un casse-tête dans lequel est un emplacement dans lequel on doit mettre un certain nombre de pièces correctement agencées. Ces pièces ne sont autres que des beaux diamants faits en acrylique réalisé par Eric Fuller en mai 2022, donc cette année. Et conçu par monsieur Brad Ramsey. Donc c'est un casse-tête qui nous vient d'outre-Atlantique. Dans chacun de ces réceptacles, chacun est un casse-tête, il faut poser un nombre différent de diamants, bien les ajuster et bien les agencer. Là, ici, nous allons commencer avec le numéro 1. Avec trois diamants. Alors, trois diamants. Je n'oublie pas, je vais prendre ce sens-là. Le sens de la pointe. Pour moi, c'est mnémotechnique. Je mets le premier diamant dans le sens de la pointe. Voilà, j'ai deux autres pointes. Donc, je peux en déduire que... Voilà, deux... Non, ça ne fonctionne pas. Voyez, je mets comme ça. Eh bien non, je ne peux pas me baser sur la pointe. Alors ensuite... Je peux prendre un angle droit, comme ça, vous voyez l'angle droit là, tac, tac, angle droit, je le passe comme ceci, non, c'est pas bon, angle droit, ah oui, dans ce sens-là, ici, l'angle droit, l'équerre, et puis par symétrie, une équerre, équerre. Ensuite, j'ai les gravures qui peuvent m'aider. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, attendez, l'équerre. L'équerre, on a l'équerre. En symétrie. Voilà. C'est bon, ça? Non, c'est pas bon. Ah, là, 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 là. Que diable. L'équerre. Comme ceci, voilà. Oui, j'ai la pointe là. Je sais pas si on la voit bien, mais j'ai la pointe, la gravure de la pointe là. Je mets par symétrie et je mets la gravure de la pointe. Voilà, endroit. J'ai le petit dessin qui m'aide également à bien placer. Bien placer. Si on voit bien. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Pour la résolution. Le spoil du casse-tête numéro 1. On va passer au casse-tête numéro 2. Ça va en ordre croissant. Hein. Donc là, il nous faut 5. 5. Alors, il n'y a que 6 pièces. Hein. Il n'y a que 6 diamants fournis avec eux. 5. 5, 5, 5. Je vais essayer comme cela. En mettant des angles droits. Là. Voilà. Angle droit, angle droit. Bon, là, ça va. Bon, rassurez-vous, je les ai déjà fait. J'ai déjà fait au moins cette partie-là. Donc, ça pourrait vous sembler facile, mais il n'en est, je dirais pas rien, mais c'est une illusion. Un deuxième casse-tête, un troisième diamant, comme ceci, est-ce que ça va? Bien sûr, ça rentre, il reste de l'espace ici, mais est-ce que c'est le bon
J'emploie l'angle droit ici, là. Angle droit. Non, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Un angle droit plein. Comme cela. Voilà. Voilà, j'ai bien rempli là. J'ai bien suivi les bords. Et ensuite, ma troisième pièce, puisqu'il y a un triangle, ça semble pouvoir se poser. Voilà. Et ainsi, j'ai mis mes 5 diamants dans le casse-tête numéro 2. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Vous avez assisté au commencement du double diamond. Et comme dit ma confrère Astrid Nielsen, fonctionnaire de police, elle dit toujours, commencer un casse-tête, c'est risquer de le terminer. Alors si vous voulez bien, pour éviter ce risque, nous allons simplement nous quitter en musique. Voilà, 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 voilà. Un beau petit plan. À vous de me dire quelle est cette musique dans les commentaires. Hein. Vous pouvez toujours dire quelle est cette musique. Je la mets sur la boîte pour que ça fasse résonance. Voilà, une petite boîte à musique. À vous de me dire quelle est cette musique, de quel film elle était extraite et pourquoi, à la limite, j'ai choisi cette musique. Maestro, musique. Merci et à une prochaine fois.